Map. Nous sommes ici. Et notre objectif, c'est d'aller donc là. Oui, c'est logique, il y a une grande zone jaune. Je vous apprends rien. Pourquoi on veut aller là-bas? Parce que, donc si on reliste le nom de notre quête, je dois trouver ce trilo dans le village de Landlania et lui transmettre le message de Nimar. Ça a l'air important pour Nimar, mais pourquoi pas? Bon, pour nous, clairement, ça n'a pas un grand impact. C'est juste que Nimar, donc, était une personne qui vivait dans les marais. Pour l'instant, on ne sait pas trop grand-chose, hein, mais visiblement, ça ne s'est pas très bien passé. Et il avait un message à remettre à quelqu'un. Donc nous, on va lui remettre. Et maintenant, on a un nouveau pouvoir que je n'ai pas équipé, qui est... attendez. Le dôme, je crois. Non. Non, c'est l'anar. C'est ça. Hein. Normalement, c'est ça. Et l'autre qu'on va mettre là... C'est compliqué de switcher dans tous les pouvoirs. Comment on sort d'ici ? Je sais pas trop par où je vais. Non. Ah oui, là je vais par là. Bah non, c'est pas du tout par là qu'il faut aller, ma cocotte. Demi-tour. Bah, je suis passée où. Notre objectif, c'est d'aller là. Mais là, ils disent qu'il y a un chemin. Mais il y a pas de chemin. Ah si, on peut le sauter. Ça se tient. Sauter. Niveau sauvetage, pour l'instant, dans cette zone, on est plutôt bien. Il nous manque plus que... pas une espèce de crabe ou je sais plus. Et le dernier, on ne sait pas, on l'a jamais vu. Mais je crois que c'est ça. On va essayer d'aller par là-bas. Donc là, on découvre, on connaît pas cet endroit. Oui, souvent. Halt ! Attends, serait-ce... Mais oui ! C'est elle qu'on appelle Chantre Solide. Oh non, commence pas. L'eau, elle a dit vrai. Tu es vraiment très mal habillée. Quoi? C'est un uniforme. J'ai pas eu le choix. Enfin bref, je cherche Trilo. J'ai cru comprendre qu'il habite ici. C'est regrettable. Hein? Comment ça? Les querelles de village ne nous concernent pas. Nous disons juste halt de temps en temps. Tu veux voir Trilo, chantre solide? Parle au chef Camelot un peu plus haut. Alors je peux passer. Tu connais le mot de passe? Non. Bien sûr que non, il n'y a aucun mot de passe. Entre, fais comme chez toi. Leur blague du mot de passe, ils sont contents. Chef Camelot, le même distingué, nous t'attendions Victoria Hamilton. Hein? Incroyable, un âme qui m'appelle par mon vrai prénom. C'est une première. Se fier à un seul hall serait une erreur. Vérifier avec cinq est plus sage. Le chemin des prairies, Victoria Hamilton. Nous supposons qu'il est à nouveau accessible. Oui, le portail est ouvert. Ton peuple peut atteindre les prairies. Simple curiosité. Y a-t-il ici un âme nommé Trilo? Les halls ne volent que dans un sens, semble-t-il. Hein? Tu l'ignores donc. Trilo a déshonoré notre héritage. Il ne fait plus partie de Landlania. Trilo a été exilé? On pourrait dire ça, si la moitié du peuple ne l'avait pas suivi. Trilo était un excellent berger, jusqu'au jour où il s'est pris pour le chef de Maruba. Trilo s'est évincé. Eh bien, d'une certaine façon, oui. Comme un putsch. Remettre en question notre saine discipline, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui importe, c'est que Trilo a quitté Landlania et a fondé son propre village, la Nouvelle Landlania. Nouvelle Landlania, bien évidemment. Où se trouve ce nouveau village? Ce n'est pas un village, c'est un mât de piquet dans la poussière, inefficace, inélégant, bâclé. D'accord, mais c'est où? En haut, tu trouveras un tunnel encastré dans les falaises au-dessus du village. Un âme garde le chemin. La fleur dépérissante dans ce tunnel est toxique. Tu sais comment surmonter ces conditions, tu peux y aller. Sinon, fais-nous confiance, tu ne pourras pas te contenter de retenir ta respiration. Compris, je dois y aller, merci. J'ai l'impression que tu diriges ta barque d'une main ferme, chef Camille. Sinon, comment pourrions-nous aider de jeunes âmes forts ici à Landlania? Ne me demande pas, je ne sais même pas comment naissent les jeunes âmes. Oh, nous pouvons te le dire. Oh, Jean, on va enfin savoir pour de vrai? Vraiment? Oh là là, oui! Tu as déjà visité la source? C'est quoi la source? Une source d'eau? Sur Ava, une source ne se limite pas à ça. Lorsqu'un âme veut devenir un garde, il cherche une source. Il y en a beaucoup. Nous asseyons, nous tissons des liens avec Ava, nous attendons. Avec le temps, si Ava nous apprécie, un kitni émerge de la source et nous rejoint. Tu dis qu'un bébé âme sort littéralement
En renfort de l'eau ? La boue plutôt. Mais oui. Tu es choqué, mais faire pousser un kiki à l'intérieur du corps comme le font les humains, c'est extrême. Tu veux y avoir beaucoup de kiki si c'est aussi simple. Ah, eh bien... Oh, j'ai dit quelque chose de mal ? Nous avons demandé à Ava plusieurs fois, mais nous n'avons jamais eu la chance d'avoir un kiki à nous. Je vois. Désolée. Nous aimerions réessayer une dernière fois, mais il nous faut la bénédiction d'un chaman. Et notre chaman, Grenard... Grenard est parti lors de la scission. Ce chaman vit donc à la nouvelle en Lania, l'autre camp des marins. Laisse-moi y aller, je peux leur parler de ta nouvelle tentative à la source. Tu ferais ça? Merci Victoria Hamilton, il s'avère que tu sais écouter. Bah oui, quand même. Mais du coup, on sait comment on fait les bébés. Voilà. Ça va pas nous changer la vie, mais écoutez, excusez-moi, mais on mène cette quête depuis des heures. Une quête qui s'achève, c'est un plaisir. Oh, ils ont un petit tapis, ils se font des bisous. Mignon. Alors, où devons-nous aller? Maintenant qu'ils se sont divisés en deux, les petits gars. Bah en fait, faut juste qu'on suive le chemin. Par contre, le bruit de l'eau, là, c'est infect. Hein. J'ai rien dit jusqu'à présent, mais là, c'est pas possible. Les effets sonores, vous allez baisser d'un ton. Genre comme ça. Au pire, vous baissez tous d'un ton. Faites pas chier. Même en faisant ça, hein, c'est fort. Hein. Waouh, le rollback que j'ai eu, j'ai failli mourir. Bah, c'est génial. Alors, là, du coup, faut utiliser ça. Attendez. Bah comment on fait? Parce que là je peux pas retenir mon souffle. Si? Bah non. Bah pourquoi je peux pas? Ah parce que j'ai pas fait le bon truc peut-être. Ça y est. C'est passé! Bah ici je fais pas le bon bouton aussi. Pas vrai. Oui la source je... Tu veux un kitni? Attends on va voir. Peut-être qu'on pourra l'adopter hein. Bon, on va bien finir par ne pas avoir un bébé, mais par tomber dessus, je pense. Bonjour, je peux passer? Le mot de passe? Allez, quoi, il n'y a pas de mot de passe. Je suis intelligente pour une humaine. Là. Ah! Saloperie! Ah bah non, c'est pas la bonne idée! Si, si, si. On s'est fait arnaquer de ouf. Lolololo. Alors, il y a deux bébés à proximité. Il est vrai. Niveau photo, d'ailleurs, on en était où? Parce que vu que ça fait quelques jours, je sais plus trop où on en est. C'est lui qui nous manque. Ouais, c'est une sorte de crabe, quoi. Donc, non, on avait fait toutes les photos, en fait. Toutes les photos, tous les câlins, tout... Voilà. On était bon. Ah, mais ces rollbacks de mort, par contre, c'est... C'est un peu indécent. Alors, par contre... Niveau pouvoir, là, il va me falloir celui qui pète leur armure. Maintenant, on sort la flûte. Il a besoin de faire la musique? Pas à mon nom. Donc, on va déterrer les petits trous. Pour choper je sais pas quoi, mais voilà. Bon après-midi, je tout d'Agnès. Merci pour tout d'avoir été là.
Et je crois qu'il y en avait un là-haut. Déconnexion. Potion antidote, ok. Là, il n'y a rien. Là, on est full. Après, il y a peut-être la potion qu'on pourrait prendre. Je sais pas trop. Je me dis, est-ce que c'est pas des potions de soins en fait ça? Apparemment non. Ça n'en est pas. Et eh ben c'est pas grave. Hop. Pour l'instant on n'a pas besoin de notre pouvoir de protection. Bonjour, une humaine. Un indicateur de fluctuation rapide. Pardon. Le corollaire est clair. Les éléments informatiques transitoires deviennent dynamiques, non stables, voire hostiles. Le déconventionnement est imminent. Le changement est en marche. Je vois. Et tu ne connais pas un moyen dynamique d'atteindre la nouvelle Landlania? Possible. Mais une guérite humaine sous-exploitée en amont pose une contrainte majeure. La porte d'entrée est cassée. Nous entreprenons une solution mécanique concluante. Et nous ferons bientôt une percée. Probablement. Es-tu une sorte de âme scientifique? Toute taxonomie est nébuleuse, toute catégorisation erronée. Pour faire simple, nous recueillons les notes de scientifiques humains qui t'ont précédé. Est-ce que tu as trouvé des notes du docteur Dupont? Oh, tu parles de Michel? Bien sûr, c'est un biostatisticien hors pair. Chouette. Est-ce que ces notes font mention de TA par hasard? Je recherche une créature spécifique. C'est comme ça qu'il y fait référence. TA. Quel drôle de concurrence. Ok. Nous recherchons le même point de données incongru. Toutes les notes de Michel Dupont jusqu'à présent font état de l'existence de TA, mais rien de concluant. Nous aimerions beaucoup effectuer une méta-analyse évaluative de la littérature non établie. Tu veux récupérer des assistants personnels. Te résumé explicite et rafraîchissant. Oui, nous voulons plus de notes. Hélas, la base de données que j'ai aperçue en amont est remplie de créatures dépérissantes, n'est-ce pas? Exact. Nous sommes des nams de parole, pas d'action. En nous rapportant les notes de Michel, nous pourrons te proposer quelque chose d'utile. C'est-à-dire, une désobstruction de la porte brisée menant à la nouvelle Landlania. Un service contre un autre, hein. D'accord, pourquoi pas. Je reviens avec tes notes. Évidemment. Attendez. Il n'est pas beau. Ok, il est gentil. Je sens qu'il y a des trucs foireux, là. Avec moi. Là, il y a un trou. Ah, c'est une potion de soin, ça. Alors ça, il peut pas agir. Merci pour le leurre, Fox, et merci beaucoup pour les paillettes. Bisous. Et ça, c'est fait. Bon, déconnecte-toi. Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose? Ça n'a pas l'air. J'ai pas récupéré la potion. Si c'est une potion, bien sûr. C'est pas une potion. Enfin, pas une que je peux utiliser en tout cas. Oh! Elle m'a eu de si loin? Sérieusement? Je vais mûrir. Bien, revenez avec moi. Je sais plus ce que j'ai en... Ça, c'est quoi? Boucle de vision. Il n'y a pas un anti-poison aussi, ça.
Voilà, je vais le mettre en accès rapide 2. Voilà. Je pensais qu'on avait plus de vie que ça. Bah, apparemment pas. C'est pas très grave. Oh, faut que je refasse. Chiant. J'allais dire, j'ai fait de la merde là. C'est pas ça. Bon, alors redéterrer les trous, c'est pas que je veux pas, mais il n'y avait rien d'utile là-dedans. Ça fait que... Donc ça, on va le laisser sur ça. Et ça, on va le mettre là-dessus. C'est possible. Mais pourquoi j'ai pas été soignée? J'ai pris du soin là. Parce que je pense que j'ai sauté en même temps et donc ça a pas dû marcher. Mais j'arrive pas à leur faire les shoots. Vas-y, paf, voilà. Ok, on a un. Voilà. Et bien, tout ça pour les aider en plus. Donc un, deux, ok, et l'autre là-bas, du coup, il est retourné là-bas. On va aller les chercher. Viendez avec nous. Viendez avec nous. Si on peut vous ramener, bien sûr. Est-ce que vous pourriez pas m'aider, vous? Oh, il y a des trucs qui sont pas venus. Ah non, pas du tout. Je pensais que vous pourriez, mais non. Vous êtes coincés les uns dans les autres. C'est là. Bah non, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose de tout ce petit monde. On va juste prendre un comme ça parce que là il y a quand même d'autres trous. Alors on va essayer par un heureux désespoir, peut-être que on fera des trucs sympas. Donc il nous manque des bébêtes qu'on a déjà. Clairement, l'espèce qui nous manque pour l'instant, on l'a pas vu. Pas vu, pas pris. Guérison et rien. Okay. Donc par ici, on peut passer. On peut ouvrir la porte. C'est verrouillé de l'autre côté. Bah oui. Ouais, mais... Je sais plus si on peut intervenir là-dessus. Je crois pas. Docteur Kravas, donc c'est lui le méchant.
Très cher Docteur Tur, vos préoccupations sont bien intentionnées, mais je vous en prie, soyez pragmatique. Nous ne pouvons pas tergiverser sur de mineurs soucis d'ordre local. Pour commencer, nous avons besoin d'une station pour les capsules de sauvetage. Vous vous sentez peut-être chez vous parmi les êtres extraterrestres qui vivent ici, mais certains d'entre nous doivent affronter la réalité. Si quelque chose devait mal tourner, nous devons disposer de moyens d'évacuation. Un hangar conséquent avec quelques capsules extra-atmosphériques devrait suffire. Quant aux centres de recherche, ils sont nécessaires pour mon travail. Je vous prie de ne pas interférer, je suis déjà en retard sur mon planning. Kratpas. Bah oui, en retard dans ton planning de maltraitance des animaux. Vilain, pas beau. Bon, alors là, niveau d'animaux... Pour l'instant, je me cache parce que j'avoue que je préférais les faire différemment. Là, je connais pas le terrain, c'est trop hostile pour moi. Pour l'instant, on voit rien. Je vois même pas de quoi activer générateur et compagnie. Je vais là-haut. Est-ce qu'on voit quelque chose? Là-bas, il y a une lumière. Ah, c'est une... C'est un petit carim, voilà. C'est ça le terme. C'est pas ça qu'on cherche. Ah, c'est là-bas. Donc, on n'aura pas le choix que d'intervenir sur les animaux. En fait. Est-ce que je peux me les faire ici? Oui, oui. Clairement, oui. Comme ça, c'est fait. Est-ce qu'on peut activer cette tyrolienne? On va le faire. Peut-être là. Là, il y a un petit soin qu'on va prendre. Et surtout, on va aller activer donc le générateur. Et là, il y a une master bed dedans. Hangar door is jammed. Super. On peut aller dessous? On aurait pu ramper, hein. Faut pas des fois. Hein. Ça nous a ouvert le reste ou pas? Genre, si là je fais ça, est-ce que je peux aller là? Non. Et c'était quoi d'autre qui était verrouillé aussi? C'était la porte là-bas. Les autres petits bouchons. Où ils sont? Là. Et où? Les petits bouchons. Ah, je me suis trompée, mais non, terrible. Non, on peut pas se relier. C'est con parce que je pense que c'est eux qui vont nous permettre de passer à de casser le chemin là-bas. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Oui. Bon, alors ici on a un TP. Un peu bizarre. Là, ok. Peut-être des racines qui bloquent les chemins.
objectif de l'autre côté. Ok, donc clan de Lania est ici. Très bien. Mais il n'empêche que faut qu'on trouve les dossiers du docteur Dupont. Là, on n'a pas trouvé les bons. Il y avait quelque chose qui bloquait, mais je vois pas quoi. These must be Dr. Dupont's files. Ah, voilà. On en est une. Donc, note de terrain. La grande créature dont j'ai parlé dans mes notes précédentes est cruciale pour l'écosystème du marais. Je ne suis pas satisfaite de son nom, bien sûr. Le surnom que lui donne Lenaam est si vague. Il ne convient pas à un être qui laisse totalement ahuri. Voilà ma première impression. Cette créature était totalement ahurissante. T.A. Voilà, je vais l'étiqueter ainsi pour l'instant et consigner une description biologique plus détaillée plus tard. Mais j'ai besoin des notes que j'ai prises plus tôt au hangar pour ça. Donc on a besoin en fait d'aller au hangar. Une certaine manière. On peut pas y aller. Et je vois pas ce qui bloquait tout à l'heure en fait. Par rapport à d'où on est venu, etc. Je vois pas trop ce qu'on peut faire pour débloquer le truc. Ah, passons par là. Crash pas pods. Mal. I hate these. Now, where's that file? Alors. Numéro 2. Marasik, qu'il l'appelle. Il est magnifique. Aussi vieux que cet arbre antique dans la jungle de Nari, disent les Naam. Un seul Marsik existe à la fois. À l'approche de sa mort, il s'enroule autour de sa couvée d'œufs. Le parent meurt en transmettant son ultime chaleur à sa progéniture, qui naît ainsi. Et cet enfant devient à son tour gardenni. C'est déchirant. Bon Dieu, j'espère que Kravas ne mettra pas la main sur cette créature. Il s'enroule autour de sa couvée d'œufs. Le parent meurt en transmettant son ultime chaleur à sa progéniture. Sick. Oh, now you open. Tabitha? Yes, Vic, I hear you. Our TA? Its real name is the Marasik. Some sort of unique creature, one of a kind. You've seen it? No, but... Vic? Huh? Are you alright there? Yeah, yeah, just... Found a hangar with a few escape pods, the old kind. We had them on Galileo 57. Oh. You mean... a disaster? But it's weird. These pods, it looks like they lock from the outside. That's right. All the old models were like that. What? Those models are decommissioned now. Too dangerous. They all operate from the inside now. But yeah... they all used to be like that. Why? I... Vic? I... Ah oui, j'allais dire, ça va lui rappeler le... la mort de ses parents, c'était sûr. C'est pour ça qu'elle pouvait pas ouvrir la porte quand elle voulait sortir, mais elle pouvait pas et... She locked it. What? Locked what? My mother, she locked the door of my pod. I always thought it was me. That I couldn't get the door open. That I missed something. No. All this time, I blamed myself. She must have realized how unstable the place was. She wanted to keep you safe. It was never your fault, Vic. She saved your life. She saved my life. Vic, we... I need to go. Ouais, parce que t'es toujours pas notre copine, ok? Ah, y a plein de potions. Ok. Avant d'aller au village, alors il faudrait qu'on reparle au vieux, enfin l'autre monsieur. Mais avant ça, j'aimerais bien me TP, mais je sais pas si je peux. Parce que là, on a un TP. Je serais bien TP en fait en ville pour pouvoir aller donner les fleurs au monsieur là. Comme ça, il les met dans son petit jardin et moi, je pourrais peut-être faire des potions, des trucs. Parce que là, j'ose pas. Je
faut qu'il ait ses petites fleurs, qu'il soit heureux. On va les lui donner rapidement. Tac. La photo aussi. Ah, j'ai pas assez de fleurs pour toi. Attends. Quête. Quête disponible. Enfant d'Ava, souvenir. Les fleurs. 5 espèces du marais. J'en ai combien? Non, c'est pour savoir. C'est peut-être pas cela dit. Ah, j'ai peut-être trop de fleurs des anciens biomes. Il fait que du coup, ça passe pas. Tiens, le chef, il est arrivé. Qu'est-ce qui se passe avec cette dame? Jambes solides. Quel plaisir de revoir l'infortunée entremetteuse. D'accord. Depuis notre arrivée de la jungle, notre fidèle garde Durek se dispute avec le garde des prairies Gang. Ils ont un point de désaccord, qui doit être le garde suprême. Voilà qui est intéressant. Mais ils ne font que se regarder. C'est ainsi que les nains règlent les conflits sérieux. Nous nous fixons jusqu'à ce que l'un admette son erreur. Intéressant. Combien de temps ça peut prendre? En général, quelques centaines de jours. Hein? Quoi? Ava n'a pas autant de temps à perdre? Tu es perspicace, Jean Tsouli. Effectivement, il nous faut un garde suprême avant que tous les nains ne se rassemblent. Et comment régler la question plus rapidement? Il existe un certain Vaeti, un âme qui vit ici et qui apprécie vos babioles humaines. Tu penses que Vaeti peut aider à régler une petite guerre d'ego? Ou aider à la rendre plus intéressante? Dans tous les cas, la question mérite d'être posée. D'accord. Je suis un peu dégueu pour les fleurs là. Ouais, peut-être que. Parce qu'on n'a pas de coffre. Répugnant, horrible. Nous adorons ça. Maintenant, il faut espérer que Pietre Ma arrive à faire quelque chose de ressemblant. Hop, nouvelle photo donnée au sculpteur. Il en montrera qu'une. Je sais plus où il y a un point de cuisine par ici. Nouvelle quête disponible. Elle est où la quête? Allez, pas de ce côté-là. Okay. Le petit chat s'est posé. Normalement, il y a un truc de cuisine là. Ah bon. Voilà. Fabriquer. Donc, 6 plantes. 37. Pas d'espace dans mon inventaire. C'est pas con. Ouais, mais. En fait, je peux rien crafter parce que j'ai pas de place dans l'inventaire. Enfin, je peux juste crafter ça. Ce qui va peut-être me faire enlever des plantes, mais c'est pas ma solution, en fait. Humaine, as-tu vu le combat? Quelle barbarie! Une telle scène de violence entre nains, c'est une première. Oui, un vrai bain de sang. Tu aurais quelque chose pour accélérer le processus? Un chaos rapide pourrait limiter les souffrances, tu sais? Voyons ce que tu veux dire. Nous devrions peut-être nous inspirer des épreuves de force humaine. Oh non. Prends ces deux barres de fer, remets-en une à chacun des gardes rivaux. Celui qui parvient à plier sa barre de fer en un seul coup gagne. Je ne pense pas que cela accélérera beaucoup de choses. Mais cela évitera qu'ils se regardent l'un l'autre si brutalement. Ava protège nous d'une telle violence dans notre propre village. Bien sûr. L'inventaire, je sais pas combien de poches on met. Tiens. Voilà. Garek, Durek, venez ici tous les deux. Notre mec comiquement intrusif, jambes solides, a trouvé une solution rapide. Une barre de fer chacun. Celui qui pliera sa barre de fer sera garde suprême. Ça ne va pas accélérer les choses, au contraire. Hein? Mais c'est une blague? Égalité. C'est nul. Cela signifie qu'ils sont tous les deux garde suprême. Eh bien, peu importe. D'accord. Ceci était une quête expéditive. C'était pas le but. Bon, cela ne m'aide pas dans mes petits, moi. Je peux pas lui en donner un peu? C'est chiant. Parce que si je regarde les fleurs qu'il me propose là, sinon je peux peut-être jeter celles qu'il a déjà, techniquement.
Ça, c'est celle du début, les coquilles, là. C'est ça. Coquilles de Shranor, pétales de Lyne de Jar. Je peux les jeter. Oui. Ça a rien de marché. Mais, Logan, si tu joues, on va pas avancer. Ah, mais ça en jette qu'une ? Non, ça jette pas du tout. Ah si. Tige du lucher. Je peux jeter. Bon, je sais, c'est chiant d'avoir autant looté, mais bon, à contrario, je sais pas quoi faire. Ou alors, faut que je jette ces potions. Les deux, là, de 37 PV, qui clairement ne servent plus à grand chose vu notre nombre de... Elle, si je fais... si je mets accès rapide 2, je les utilise rapidement et voilà. Ça m'évitera de jeter, parce que jeter du coup, j'avoue, j'ai mal au cœur. Ah, bah tiens, une note de moins. La direction a de grandes attentes à notre égard. Je ne suis pas sûre que ses membres comprennent à quel point il sera difficile de sauver autant d'espèces à deux. J'aurais souhaité qu'elle accepte notre demande de ressources supplémentaires. Nous devrions nous débrouiller. Beaucoup des trucs. Inventaire. Non, carte. Et après, il y a quelque chose par là-bas. Par je sais pas qui. Je suis curieuse de savoir ce que c'est. Donc je vais aller voir. Et ensuite, on retourne dans le marais, bien sûr. Ah, c'est le chef. Ok. Ouais, c'est le chef, mais en fait, je peux pas trop monter, là. Je peux pas trop. Ça m'arrange pas. Vu qu'on était à jour sur les quêtes annexes, je me dis ça a peut-être un lien avec le marais. Et respectueuse et gracieuse salutations, chef Holm. Nous trouvons ta courtoisie démesurée moins amusante à chaque formule de politesse échangée entre nous-mêmes. C'est ce qui rend les choses amusantes. Amusant ? S'amuser ? Oula ! Logan, mais... D'accord. T'as qu'à faire ça comme ça. Alors... Amusant, s'amuser, c'est pour les kidneys. S'amuser, c'est ce que notre Obon devrait faire. Pas s'enfuir pour se cacher, marmonner et griffonner pour lui-même. Cacher ses activités à son propre garde-nid. Que fait Obon maintenant? Se livrer à des égards de conduite puérile, sans doute. Mais nous ne savons pas exactement, c'est ce qui nous inquiète. Et vous voulez que je retourne voir? Nous te serions reconnaissants. Obon est dans la carrière. Nous y sommes déjà rendus plusieurs fois seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre kidney s'agite comme un murat sauvage et nie toute mauvaise action. Tu pourrais avoir bien besoin de cette caméra pour le prendre sur le fait, tu vois. Sinon, on se contente pas de se cacher et de nier les faits. Je prendrai donc une photo. Kava t'accompagne. Photographier au bon. Mais c'est où la carrière? Ah, il est là-bas. Vas-y, on va aller voir ce qu'il fait. On va activer la quête. Voilà. Allez. Voilà. Oula. Je vais me faire attaquer. Ah bon, on a la tyrolienne, c'est vrai. Pas grave, maintenant c'est fait. À vue. Hop. Hop. Could you stand still and pose, please? Humaine, qu'est-ce que tu fais? Ah, je prends quelques photos pour un travail de recherche. Oh, super, comment on s'appelle? Laisse-moi réfléchir. Écologie, comportemental, dans la société des Naham. Plutôt filandreux comme titre. Mais nous comprenons. Nous travaillons un chef-d'œuvre.
Ah, voilà donc ce que tu fais ici. Nous sommes comme le champ désespéré de Lohol, prisonnier des piétinements affolés d'un crâne au sol. Pardon ? Point de réconfort pour les cœurs qui en hauteur parcourent, car nous aspirons à l'émotion humaine communément appelée amour. Mais c'est des quoi ça ? Nous sommes devenus poètes humaines. Nous parlons en métaphore maintenant, je t'en prie pour. Ah, bien sûr. Félicitations. Nous travaillons ici pour nous éloigner des regards indiscrets de notre gardenier, mais nous ne te cacherons jamais nos rimes parfaitement agencées. Fantastique. Tu es notre père et notre confidente. Bonne chance dans tes recherches. Ouais, non, on nous a un peu trahis là en fait. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais... Là, on va aller un peu tout balancer à ton père. Pas volontaire de notre part, mais c'est un fait. Hop. Alors. Hey, chef Onlo. Quoi? Pas d'excès de politesse? Pas de flot de flatterie colorée et hypocrite? À mon avis, vous allez bientôt être victime d'un langage coloré. Si tu veux dire. J'ai trouvé au bon. Je ne sais pas si la photo est explicite, mais... De la poésie? Bon sang. De la poésie. Celle-là lui plaît? Et c'est bien normal. Attendez, quoi? Humaine, du temps de notre jeunesse, nous étions les champions de la rime des prairies. Oh. Attendez, pour de vrai? Vous... Nos esprits jeunes et frais comme la rosée du matin mettent 3 petits jours à conquérir le langage humain. Bien que tu puisses douter de cette caractéristique des Naham, linguistiquement, nous sommes enclins au slam. C'était pas mal, en fait. Oh, j'en tiens. Tant que l'homme aura souffle et tant que l'œil verra, tant que vivra l'amour, pas l'amour, tu vivras. Non, ça, c'était complètement nul. Mais c'était du chèque... Un poète. Notre au bon, un poète. Nous sommes si fiers. Bah voilà. Sur ce, je ne peux pas du coup donner mes petites fleurs. C'est pas grave. On va donc retourner dans le marais. On aura quand même fait quelques trucs, c'est bien. Et on va pouvoir du coup aller discuter avec le monsieur qui cherche des nouvelles là. Alors il était par où déjà? On s'en fout de là. Il était là-bas. Ah mais vous êtes redevenu méchant, non? Ah oui, ils sont redevenus méchants. Mince. C'est pas grave. On va tracer. Ah non, vous êtes pas méchants en fait. Ah bah tiens. Vu que vous êtes calmé là. Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Tant qu'à faire quoi. Je vais d'ailleurs pouvoir vous rapatrier en fait. J'y avais plus pensé mais... Voilà. C'est fait, c'est dit. Ça nous fait plaisir. Donc le monsieur, il était là. Là. J'ai les dossiers. Remarquable. Les paroles de Michel ont toujours été très cohérentes. Le marasique. Mais ça, c'est... Humaine, ressens-tu un certain malaise? Ton visage? Je vais bien. Donc tu as connu le docteur Dupont personnellement? Nous avons collaboré sur d'innombrables projets. Ses observations étaient fiables. Le docteur était d'une âme charitable. Il te manque. Michel n'est plus là. Pourtant, il laisse derrière lui une forme, une silhouette d'une vie. Des souvenirs. Tu sais, tu sens manifester une certaine réticence à l'égard de tes souvenirs. Ce n'est qu'une hypothèse. Tu n'es rien. Bien, et ce chemin vers la nouvelle Lania? Comme indiqué, le principal obstacle à une telle démarche ambulatoire est ce portail métallique. Voici la clé. C'est ça? Ta grande percée? Elle gisait dehors dans l'herbe. Tu te moques de moi, là? Et parfois, des découvertes révolutionnaires apparaissent là où on ne les attend pas. On peut dire ça. Eh bien, merci. C'est moi qui te remercie. Avec ces notes, pour notre évaluation des activités humaines sur Ava est terminée. Une transition vers les prairies suivra. Et après cela, l'excitation liée à l'incertitude. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je regarde sur la gauche quand je lis, c'est parce que tout simplement, ma belette poilue de type chat est posée devant le écran. Que je ne vous montre pas parce qu'elle est de dos, donc pas très intéressante à regarder en soi.
Mais il n'empêche que Logan est là. Et Logan prend toute la place. Donc je ne peux pas lire correctement les dialogues. Voilà, voilà. On peut tous remercier Logan pour cette intervention. Il nous aide grandement. Hop, ça je peux pas ramasser. Ça, ça s'ouvre pas. Elle était où la porte où on devait aller là? C'était pas là, visiblement. Et là, ils nous disent d'aller là-bas. Mais on avait trouvé la nouvelle Landlania, je comprends pas. Ah, c'était par là. Enfin, non, pas ici. C'était pas ce truc-là. Ce truc-là donnait sur quoi d'ailleurs? Ah oui, le village d'avant. Donc c'était plutôt par là-bas, non? Non, il y a un truc qui explose. Je sais plus. Là aussi, on peut activer une tyrolienne. On va le faire. Je sais plus où c'était. Parce que là, on revient ici, donc ça nous aide pas. Ça devait être par là, alors. C'est ça. Donc ici, voilà, ça s'active de l'autre côté, donc là on peut pas y aller. Ça sera pas 20 ce qu'on a fait, au moins on a pu mettre en route l'autre tyrolienne. Comme ça on a clairement les points rapides de toutes les zones. On ne voit pas de quoi il me parle, le tunnel métallique là. Je sais pas. Ah mais c'est ça! C'est ça qui parlait. D'accord. Effectivement, il nous a donné une clé pour passer cette porte. Voilà, voilà. Trop beau goût, j'y ai quoi. Ça, c'est fermé. Et on va le réactiver. Déjà, on peut ouvrir ça, mais c'était pas ça que je cherchais, vas-y. Ah, on a découvert une plante. Est-ce qu'il n'y aurait pas un monde où on peut donner la quête au petit monsieur? Oh, elle n'est pas jaune, cela dit. Je ne suis pas très convaincue. Avapédia. Que par là, je peux le savoir, non? Coquille, prairie. Ok, donc on a marais. Marais, 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 marais. On a 5 du marais, c'est bon? Pas 5 qui voulait? C'était 5. Vas-y, je vais vous donner. Je sais, il va falloir qu'on refasse le chemin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, je serai libérée de ces plans. Parce qu'elle me stresse, c'est tout. Normalement, là, on en a 5. Hein. Celle que j'ai jetée tout à l'heure, c'était pas une plante. Voilà. Tiens. Ah oui, on a les fleurs du marais. Leur survie n'est pas la question. Ils sont suite, c'est pas nous. D'accord. Voilà. Par contre, un truc qu'on n'a pas regardé depuis un moment, c'est ça. Effectivement, on a quelques points. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire? J'avais parlé de ça à un moment donné. Compliqué en vrai. Ah, c'est pas mal ça. Si un autre sort est utilisé alors que le hanar est actif, la durée de celui-ci augmente. Ça ajoute 3 secondes à l'hanar. Ça veut dire qu'on est quand même protégé 3 secondes de plus. Ah oui, mais ça augmente que l'hanar. Du coup, ça m'arrange pas trop en fait. Ça m'arrange pas trop. Ou alors on fait ça. Voilà. Comme ça on peut faire une chaîne de bébêtes infinies. Ce qui ça peut peut-être être avantageux. L'histoire affecte désormais toutes les entités lors de la chaîne. Ah ça c'est bien. Ok. Bon bah ça c'est fait. Maintenant TP marais. Mon inventaire ça donne quoi?
Ah bah ça m'a libéré des petits trous. Ouais. Bah ouais, on va voyager ici, on n'a pas le choix. Ça nous fait pas très loin en vrai. Ça va. On va pas se plaindre. Petite course rapide. Je suis en train de trouver un Zoopédia Planète Zoo qui me plaît. Ah! J'ai trouvé ça où? Les zoos, c'est pas créature en fava, mais ça reste des animaux. Mais ton pouvoir avant de décéder, oui. Ouais, j'ai fait le grand tour. Hop. On descend. J'ai cru qu'ils allaient nous faire atterrir dans le rouge, j'allais dire que c'est un peu pas sympa quand même. Rien d'autre ici. Pas trop. Je suis curieuse. Ah. Mais il faut des bêtes. C'est quoi toi? Ah bah t'es la nouvelle bête qui nous manque. D'accord. Eh ben allons-y. Empoisonné, saloperie. Saloperie de pas beau. Ok, donc maintenant il faut qu'on vous fasse une photo. Le Musi. Et Musi, bah on va faire ta musique. Ah, on n'a pas à la prendre. D'accord. Et on le caresse, comme ça on a tout fait. J'existe depuis longtemps, mais je tombe dessus maintenant. C'est un cerf aigle. Ouais, je sais pas trop ce qu'il est. Il a un peu une tête de buffle. Ah si, je crois que je l'ai déjà vu, site. Ça me parle. Ouais, je revérifie, mais je crois que je l'ai déjà vu, site de plein. Alors. Les bambinous, peut-être que, j'allais dire, vous pourrez péter ça. Je regarde si je peux pas vous faire passer quelque part, parce que... Pourtant, il n'y a pas trop de chemin. Ah, effectivement, on peut faire quelque chose. Et... Voilà, viendez par là. Comme ça, il nous en manquera plus qu'un à sauver. J'ai eu une curiosité plutôt, plutôt sympa sur ce coup-là. Parce que je rappelle, hein, tant qu'on n'a pas fait la mission de sauvetage qu'on a en bas à droite... On ne pourra pas changer de biome. C'était la règle. Alors, maintenant que j'ai donné mes fleurs... Ah, c'est un encensoir. Ça va, vous trouvez des encensoirs et des endroits qui permettent d'admirer la beauté de la planète. Jouer de la flûte pour donner des points de recherche. Ah ouais. D'accord. Ah. C'est stylé. Let's go. Il y en a d'autres là. Bah allez, hein. On va le faire.
Bon, attendez, qui y a d'autres? Parce qu'il y a l'air d'en avoir un peu partout en fait. Oh, genre il m'a eu. Encore là-bas. Là, c'est ok. Besoin d'une bébête comme vous ou les bambis aussi, ça marchait. Où est-ce que j'ai vu le truc là? Il y en a plein en fait encore. Ouais, je vais loin. Bah, ici il y a du loot. Je pense que c'est une... soit une poche de soins ou un truc comme ça. Ou un sac, mais un truc qui nous intéresse, quoi. C'est tout, je dirais. Alors, venez là. We're doing a good job. Voilà. Sauvetage fini. Augmenter du coup. Ensuite. Ah là, c'est on, c'était le même accès. En fait, c'était ok. Si j'avais pas fait péter le chemin, on avait toujours un accès par ici. Ce qui veut dire que. Donc, on a toujours des animaux à renvoyer. Mais par là-bas, je sais pas s'il y a des trucs à faire. D'avoir grand chose, non? Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose là. Parce que là, il y a un truc à péter, mais c'est de l'autre côté. Il doit y avoir quelque chose plus du côté des animaux que je n'ai pas vu. Ah, mais c'était un chemin derrière eux en fait. Okay. Aïe, on y est. Nous avons trouvé la nouvelle Landlania. Avec ici une tyrolienne mais qui s'active du bas. Ah mais il n'y était pas de ta part là-bas tout à l'heure. Pas trop. T'as mis quelque chose. Le sein d'Ava. C'est peut-être ça la cascade. À la source. Qu'est-ce qu'il y a ? How important it is sometimes to stop and look around you. Et... Donc ça c'est le chemin que j'ai vu tout à l'heure. Pas sûr que ça nous serve à quelque chose, mais bon. Non, on remonte. On va se remettre un peu sur la quête quand même, parce que c'est bien beau d'explorer, mais... Ouah, le rollback, mais c'est pas possible d'avoir des trucs comme ça. Et je sais bien que des fois, je me jette dans le vide. Mais c'est volontaire. Enfin, non. Enfin, si, mais... Pour moi, j'allais pas mourir. Là, quand je meurs, bon, voilà. C'est un autre problème. N'empêche que là, c'était pas de mon plein gré. I'll never forget this place. Ah mais comment je me fais troll par le bleu quoi, c'est horrible. Ah là 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 là. Bref.
Donc on fait le tour de la nouvelle Landlania dont on avait vu visuel tout à l'heure là-bas. Donc on va activer la tyrolienne parce que franchement, vu comment il y a des chemins dans tous les coins là-dedans, t'as clairement envie de tout valider. J'ai beau jouer. Je pensais que j'allais trouver un petit loot trop stylé. En fait, j'ai rien trouvé. Il n'y a pas un petit loot trop stylé. Ah, mais je suis re-là. Oh, bah, d'accord. Attendez. On va attendre que le sort y revienne. Hop, sinon on va mourir. Mais moi, j'ai pas trop envie de mourir. Pas vous, mais moi, j'ai pas envie. Donc, pour la troisième édition, retour à la nouvelle Landlania. J'arrête pas de dire ça, mais au final, à chaque fois, je me disperse, comme d'hab. C'est parce que j'ai fait le tour aussi. Vaut mieux zoner les environs. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Alors, c'est ça la nouvelle Landlania. Tu peux entrer ? Le mot de passe ? Nous autres adorons cette plaisanterie. Quelle plaisanterie humaine ? Personne n'entre sans mot de passe ? Serre-toi de ta tête. Bien, tu ne plaisantes pas, en effet. Et si tu me donnais un indice ? Ne sois pas condescendante, humaine. Notre sécurité n'est pas une mince affaire, nous n'oublions jamais nos mots de passe. Nous ne nous balondons pas comme l'ancien trilo à la peindre à l'arrière de notre cabane. Nous sommes consciencieux et sûrs de nous. Tu devrais apprendre à en faire autant. Bien sûr, mes excuses. Allez, file maintenant. Back of the shack, hein? Yeah. It'll be written in Nom. I can take a picture and show it to Nimar. Ok. Donc, il faudrait qu'on remonte là-haut. Remonter en bas, ça marche pas. Alors voilà, c'est plus pour moi. Dos d'une maison. Bah, ça va pas être ça. Puis il y a pas de maison ici. Ah, quoi que peut-être. En vrai, ça me mettait source inconnue, je sais pas quoi. Attendez, j'ai eu source inconnue. Où est-ce qu'il a vu ça? Ah, ça? C'est ça. There's something I need to show you. I'm following your trail. Meet me in the rocks by this new Landlania place. Ok. Là. Donc, il est... pas loin du Saint d'Avor. Ok. Et nous, on est là. Donc, on redescend. J'ai compris. On va reprendre le chemin par là-bas. Moi, il nous suit à la droite. Trouvez. Le garde de ce village est bête à manger du foin. J'ai besoin que tu m'accompagnes et que tu lui dises ce mot de passe. Non, non, non et non. Montre-le-moi, je peux te l'enseigner. Quelle nervosité. Très bien, regarde, c'est griffonné ici. Voyons voir. Eh bien, effrayant pour un mot de passe. Ah bon? C'est quoi? Tu peux le prononcer ainsi. Arumatibo namtibo. Ok. Et ça veut dire... Il faudrait que je te donne une longue leçon de linguistique pour t'expliquer. Ça peut pas être si compliqué. En fait, il y a une cinquantaine de significations différentes. La première est... Tu sais quoi, ça va aller. Dis-moi juste comment ça se prononce à nouveau. Allô, Matibo, là, un petit peu. Ok. On fuit. Non, 50, c'est bon, on va coucher. Bon, rebonjour. Humaine. J'ai le mot de passe. Arumatibo namtibo. Excellent accent. Entre, mais nous te gardons à l'œil. C'est pas dégueu, on est trop fort, c'est tout. Petit chez vous. Je te salue, chef Trilo. Une humaine, inattendue. Pardon pour notre faible niveau linguistique, mais ce titre de chef, il n'y a plus de chef. Nous sommes Trilo, tout simplement. Ok. Bah, dans ce cas, on accepte. Désolé,
À la vieille Landlania, le chef a dit que tu te considérais comme un chef rival, un nouveau chef. Kava nous préserve. Cette querelle est vraiment insensée. Le chef Camelot et nous, nous étions depuis longtemps en désaccord sur un sujet important. La meilleure façon d'éduquer les Kitten. Et maintenant, nous, peuple de Maruba, sommes divisés. C'est ridicule. Mais ne noyons pas notre visiteuse dans le chagrin. Que viens-tu faire dans notre marais? C'est une longue histoire, mais pour l'instant, je joue au facteur. Voilà, je pense que tu connais l'expéditeur. Un de mes amis qui s'appelle Nimar. Nimar? Eh oui, monsieur. C'est Nimar. Oh, il a fait un petit dessin. Oh, Ava. Notre petit Kitni est de retour. Hein? Nimar est ton Kitni? Sans déconner. Qui est pas surpris? Moi. Voilà, voilà. Autrefois, il y a longtemps, Nimar aimait explorer. Il passait ses journées dans les ruines des anciens. À récupérer des babioles. Nous n'en voyons pas l'intérêt. Nous avions peur de ces vieux temples. Nous avons grondé Nimar. Nous voulions que Nimar soit comme tout le monde. Comme nous. Un jour, Nimar a apporté une pierre brillante. Nous avons protesté. Nimar a fui vers les prairies et en un rien de temps, le portail s'est refermé. C'est pourquoi il a fini par vivre dans les prairies pendant des années. Oh, Nimar. Trop jeune. Qu'un Kitni se séparait de son garde-nid à cet âge-là. Nous avons longtemps craint que cela n'affecte Nimar sa connexion avec Ava. Mais attends, si tu es ici et que c'est naître aussi, alors... La porte est ouverte. Nimar est dans le marais avec moi, il est tout prêt. Il nous faut confronter notre honte. Nous avons eu tort. Nous aimions Nimar. Nous voulons revoir notre Kitni. S'il te plaît, humaine. Tu nous amèneras, Nimar. Je vais voir ce que je peux faire. Il n'est pas très facile à convaincre, le pauvre. Hein. Même si je pense que là, il est devant la porte. Qu'il n'y a pas. C'est terrible. Nimar, j'ai rencontré Trilo. Et ben, il veut te voir. Merci, jambes solides. Accepterais-tu de m'y accompagner? Bien sûr. En fait, ça va être pas dur, en fait. Nima, tu es de retour. Je vous laisse. Hey Vic, I wanted to check in. Are you okay? Hey Tam. Yeah, I'm good. Thank you. Okay. Just making sure. Listen, I hate to ask, but Dr. Kratavas... I'm working on it, Tab. Don't worry. Thanks. Over and out. Oui, il est pas content parce que ça va pas assez vite, gna gna. Alors, comment ça se passe? Dur, mais sympa. Ça fait du bien de parler à nouveau à mon garde-nid, malgré le temps. Je pense que ce sera bon pour moi. Pour nous. Merci. Si ça peut aider un ami. Cela dit, certaines nouvelles sont préoccupantes. C'est le propre des nouvelles. J'avais un ami d'enfance ici, dans les marais. Ucup. Il se sauvait toujours quand j'avais des ennuis. On dirait Tabitha. Bref, selon Trilo, Ucup est devenu un peu bizarre. Bizarre? Selon Trilo, il s'est rendu aux ruines du lac, au milieu des eaux contaminées. Mon vieil ami refuse de bouger. Il hurle en parlant du Marasik, ce qui est absurde. Marasik? Il faut que je trouve ce cube. D'accord. Comme je te l'ai dit, quelque part dans le lac au nord-est, mais tu es un génie, Nima. Je dois y aller. Ne tarde pas. Nous avons des ruines à inspecter. A plus. Ok. C'est-à-dire, du coup, c'est où? On lui parle toujours à celle-là? Bah, il paraît, ouais. Il paraît. On lui parle toujours. Moi, je suis pas trop de cet avis, mais elle lui parle encore. Bah... On lui parle encore un peu. Bon, y a rien d'autre à looter par là-bas. Yemambe. Et techniquement, j'allais dire, on peut pas prendre un... Non, ça, on peut pas le descendre. On est obligé de passer par là, quoi. C'est pas très grave. Mais... Ça nous servira bien à un moment donné. Bon, là, je peux pas sauter. Peut-être par là. Ouais. Là, ça va passer. Ah si.
M'attaquez pas. Voilà. Ça, on est tranquille. Je sais pas trop où on est ici. Nous a libéré une statue de... Ah, je crois qu'il y a un pavou. Ah non, c'est bon. Petite statue Antari, ça fait plaisir. Ah. Voilà. Et hop. Grimpons, grimpons, grimpons. Donc on a un TP juste ici, qui est plutôt très cool. Et il n'y a rien d'autre à ramasser, ce qui est au moins. That shroom has weirdly calm eyes. It doesn't seem very shy. Hey, hold on. J'avoue, il a l'air très mignon. Et ni 8. Hey, attends. C'est toi, Ucup. Qui demande? Tu as besoin d'aide pour sortir de là? Nous ne bougerons pas d'un pouce. Oh, d'accord. Dis, que sais-tu de ce ma... Nous ne bougerons pas d'un pouce tant que ce problème n'aura pas été résolu. Ton problème. Comment ça, mon problème? Mais j'ai rien fait, moi. Tu es humaine, non? Oui, mais répare tes fautes, humaine. Tu empoisonnes les marais. Tu empoisonnes Ava. Tu empoisonnes le marasique sacré. Oh, le marasique. Peux-tu me dire où le trouver? Comme si tu l'ignorais, celle empoisonneuse. Tu viens à Ava avec tes stations de recherche qui contaminent tout. Nous ne sommes pas d'accord. M'en parle pas. Dis-moi où se trouve cette station de recherche. J'y remédierai. Je vais bloquer la contamination. Vraiment? Promis. D'accord. C'est au fond d'une fosse au sud-est. Tu auras besoin d'une carte d'accès. Bon courage. Et tu vas gentiment me donner la carte d'accès ou tu vas me montrer où c'est? Tu me donnes la carte. Compris. Maintenant, parle-moi du marasique. J'ai besoin de... Nettoie tes déchets, espèce de crétine toxique. Hey, c'est pas sympa, ça. Et alors? Notre voix est douloureuse. Nous ne te parlerons plus. Hey! Pas mieux de faire ce que ce Bugus me demande. Un autre français qu'on fait d'être. Enfin, Bugus, c'est quelqu'un qui veut défendre ses intérêts. Donc, c'est là-bas. Téléportons-nous. Téléportons-nous et... pourquoi j'ai deux points jaunes? Donc, on doit aller par là-bas en fait. Au niveau de ce temple-là. Ça a failli mal se passer. Ah, mais on n'est pas déjà passé par là-bas. Ou alors ça ressemble. Parce que là, c'est par où? Mais non, c'est pas ça. Mais n'importe quoi, moi. C'est l'entrée du marais que je suis en train de refaire. Tête de nœud que je suis. Donc en gros, il faut qu'on aille ben, derrière là où je suis. Grosso modo, c'est ça. Mais là, on ne passe pas. Donc il faut qu'on aille là. Et ça, on y était allé au début. À cet endroit-là. Mmh.
maintenant on a du pouvoir, enfin du pouvoir, de quoi tenir à cet endroit-là. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Il me semblait qu'on avait fait ce qu'il y avait à faire. Ah, c'est là. Donc on a la carte d'accès maintenant. Et ici. Et les animaux, je les ai entendus. Sachant que c'est une zone qui est contaminée, c'est pas très beaucoup étonnant. Non, j'ai pas de quoi ralentir. Donc, il me faut ça. Ça. Sacrément pollué en tout cas. J'avoue que c'est quoi ça? C'est ça le marasik? Je suis parti. On peut pas trop identifier ce que c'est. Mais on aurait presque pu, en vrai. À un moment donné, j'ai vu un petit carré. C'était jouable. Ça. Il n'y a rien. J'aime pas trop le fait de looter autant de potions. D'un coup. Ça me paraît. Ça me paraît douteux. Michel Dupont. Salut Margaret, vous aviez raison. Kratvas n'a pas prévu d'infrastructure anti-pollution. Les toxines de ces expériences s'écoulent directement dans le bassin du marais. J'ai chargé les robots de construction de bâtir un système de pompage. Et ça a marché. Mais ensuite, Kratvas a ordonné de l'arrêter pour économiser de l'énergie pour d'autres procédures. Je suis perdu. Je ne peux pas passer outre son autorité. La direction me tomberait dessus. Votre ami Michel. Ah oui, évidemment. Enfin, on sait tous que c'est un pourri comme ça. Je peux pas l'avoir en photo. C'est toujours pour. Le petit lag. J'ai l'impression qu'on en a moins que l'autre fois, mais on en a plus souvent. Sachant qu'il y a eu encore une autre mage depuis. Qu'il y a eu un correctif qui a pas. Je sais pas. Du soin, c'est très douteux. Vous savez quoi? Mais je suis déjà fou. J'allais dire, si je suis pas full de santé, autant y aller et en reprendre une, même si ça me met pas au max quoi. Mais je suis déjà passé par là. Oh, bon. J'ai suivi la bébête. Bizarre quand même. Parce que là on peut pas y aller, on redescend forcément. Oh, c'est chelou. Ah là.
coup. J'avais pas vu ce petit trou. Ce machin, il est pas très gentil. Ça doit être ça en fait, le Marasik. Tabitha? I think I found your TA. Really? What does it look like? Can it move? It's kind of snaky and big. Well, that's fine. The transporter tech can manage. I'll send some bots. Just give me the word. Wait, hold off for now. The creature looks like it's trapped by the infection. Clean it up, Agent Hamilton. Kratovas? Dr. Kratovas has asked to join in some calls, Vic. He insisted. We can't risk an infected creature on the bioarc, Agent Hamilton. But I want that specimen. Free it from the infection and ensure it's clean. Kratovas out. Now I take orders from this slime ball? Ugh. Whoa. Pardon, je voulais pas aller par là. En vrai. Déjà. T'es mignon. T'es venimeux, mais t'es mignon. J'en ai marre de ces likes, c'est chiant. Du coup, par là, il y a quoi? Attends, j'essaie de trouver des actions. Donc là, on n'a pas moyen d'agir. Là non plus. This is another creature testing. Là, on peut par contre. Docteur Kratovas, communiqué 2. Ce bio-arc est notre meilleure chance de déjouer le comité d'éthique. C'est un plan de très long terme. Dites à la direction de cesser de s'inquiéter et de commencer la construction. Quant à l'infection, la docteur Thur a raison, même si ça me coûte de le dire. Elle se développe plus rapidement en présence d'humains. Si nous restons ici, dites à la direction de retirer immédiatement notre financement. Utilisez n'importe quelle excuse. Cette planète est une source fertile, mais nous devons revenir quand elle sera mûre. Super. Cordialement, Kratovas. Kratovas. This is all wrong. I've got to tell Tab. Aïe, mais comment tu veux la prévenir, sachant que les appels sont, on va dire, sont filtrés, quoi. Enfin, vous êtes sur écoute, madame. Donc, côté 1, fait. Côté 2, pas fait. Ah, j'ai pas accès, là. J'avais espoir de... Mais non. C'était trop facile. Peut-être que ça, par contre, on peut le relever, non? Attendez, il y a un passage par le haut, là. Je rêve pas. Il y a un passage par le haut. Donc... Bah ouais, mais par là-bas, on peut pas y retourner. On a sauté de là-haut, donc il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas d'action possible. Comment on pourrait faire? Tout ça, c'est pas une porte, c'est triste. Non, tu dois forcément arriver du haut. Je pense que c'est ce qui te montre quand t'arrives là. Ah, mais je t'avais pas vu, quoi. Et que là on peut sauter. Ah oui. Ah, là aussi je peux pas accéder. Ah oui, c'est trop simple. Hop. Donc, maintenant on a ça. Là y a rien. Ici, on est cool.
Là, il n'y a rien. Et là, on arrive de là pour faire ça. Ok. Et on récupère donc la note 1, je m'en doutais un peu, vu que je ne l'ai pas fait dans l'ordre de la cinématique. Quant au bio-arc, ses défenseurs de la conservation au grand cœur vont l'adorer. Il maintiendra les créatures dans un état stable et remplira toutes les fonctions d'un sanctuaire typique. Mais bien sûr, l'objectif n'a pas changé. Nous aurons notre stock de spécimens à l'épreuve du temps et toutes les applications pharmacologiques qu'ils peuvent apporter. Lorsque l'équipe de collègues viendra, dites-leur que le code de l'aile de test est 5399. Tout ce dont il y a à savoir s'y trouve. Cratovox. Le bio-arc était son idée. Ce n'est pas ce que nous pensons du tout. Ou bébête libérée, de ce qu'on aperçoit ici. On voit la porte. Ce que j'allais dire, non, pas ce port. Je voulais suivre la bébête, mais je peux pas. Redescend. Oh, super. This creature is super. Non, je vais la garder quand même. Il n'y a rien. Triste. Tabitha? I'm with the Marisic, but there's something I need to tell you. Of course. What's the... Have you cleaned the infection? How does the creature look? Is it healthy? Agent Lincoln, prepare the bots. Wait, Tab, listen. It's about... Leave to Ava what is Ava's. Vic, Vic! It's... dead. What? Agent, are you sure? I'm sure. The Marisic, the TA, it's dead. I guess I didn't remove the infection in time. That is disappointing. I hope your future captures prove more competent. Cronovus out. Vic, sorry. You always knew we wouldn't be able to rescue the creatures. Yeah. You'll be okay. I know it's hard for you. Losing something. I'll be okay. Thanks, Dad. Come back to the grasslands. You did everything you could. I know. It wasn't my fault. Mm-hmm. Du coup, on a sauvé. Enfin, on va sauver les bébés. Je pense pas que ce soit des kidneys, enfin si c'est bébé à elle, enfin, je pense. Did that reduce the toxins? Maybe Ukup will stop protesting now. Long legs, guess you just walked back into New Lanlania. I have some idea. I'm gonna have to leave you, Mama Snake. Okay. Au revoir, Maman Snake. On est obligé de refaire tout le chemin? Je pense pas. Ah, voyage verrouillé. Bah super. Je peux me TP nulle part? Ah ouais. Ah bah super. Donc on est censé ressortir de cet endroit. Ah tiens, petite tyrolienne. Hop. Bah ma foi. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les Kiki. On va sauvegarder la partie. On a sauvé Maman Serpent. Ça fait plutôt plaisir. On avance gentiment dans le pourcentage du jeu. Même si j'ai l'impression que là, les chiffres, enfin, le pourcentage augmente très peu. Hein. C'est vrai qu'on fait aussi de l'annexe en même temps.
Donc c'est pas forcément ce qui, je pense, fait monter le plus. Cela étant, je trouve qu'on fait quand même aussi des... Enfin, en fait, je me dis... Il y a quand même encore une grosse densité d'histoire, en fait, si on n'est qu'à 60%, entre guillemets. Donc, hâte de découvrir tout ça, du coup, la semaine prochaine.